Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulette d'Illizael. On va faire un over-vitalité pour aller sur un sacrilleur RPVP et on va se permettre de ne pas mettre le PO. Là, je l'ai fait tomber. Et pour l'instant, on va pas s'en occuper du PO. On va juste essayer de faire un jet over-vita, du coup, perf sur tout le reste. On vise idéalement le 505 Vita. Si on n'a pas assez de Vita, on pourra tenter un crit dommage sort pour aller avec. Et je pense que le PO, si je veux le mettre, je le repasserai, mais vraiment plus tard. Genre, pas dans cette séquence de Forge Magie. Donc là, on a 99,6 de puits. Ce qui est très agréable, c'est que là, c'est un item sur lequel on peut aller chercher le full perf systématiquement. Et c'est clairement ce qu'on va faire. Je pense que je vais monter. En principe, je peux monter à 72 à l'appât assez facilement. Je teste aussi un petit peu. Là, j'ai eu moins 21. Ça pique un peu quand même. Ensuite, il faut faire des over. Ok, le petit crit qui met bien. Ok. J'ai eu moins 1. On va passer le dos qui crit. Le repair qui ne passe pas, moins 4. Là, il faut passer la raage. Moins 20. Ok, bon, ça pique un peu, mais il faut ce qu'il faut, hein. Ok, le repair qui passe, moins 4. Alors le chat me dit moins 24. Effectivement, j'en avais raté une. Merci le chat. J'en avais raté une, j'avais raté la première. Donc ensuite, là, pas ça. Qui crit, ok, ça met bien. On a 44,6. On va y aller comme ça pour la première. Une, deux, 3 et 4. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 92 de puits. Les congruences sont plutôt sympas là. C'est pas ça qui passe, moins 9. On récupère à l'appâhage. Ok, moins 3. Et là, les congruences des stades sont parfaites. L'item est plutôt haut dans l'ensemble. On va mettre une petite repère, moins 6. Allez. Ouais, nice. Ça se passe plutôt bien. Ok, j'ai parlé un peu vite. On a 39 là-dessus. C'est parti. On a eu moins 20. Il me reste 19. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 95 de puits. On va y aller sur double passa, qui passe plutôt bien. Je suis plutôt récup à la pod qu'à la pavie. Ok, nice. Bon là, le problème c'est qu'il faut faire des overstats, mais à ce niveau-là, le G était tellement haut en fait de base que. Vas-y, ok, ça passe, c'est excellent. Moins 7, j'ai 8 en rab, on peut mettre une esquive PM. Qui crit, let's go. Ok. Parce que là, je m'attends à ce que la Vita, je vais devoir la baisser pour être en congruence à 505. Donc je préfère pas trop monter la Vita. Plutôt juste tenter le moins 6 quand on aura fait un over. Donc je vais en continuer avec des prosp. Si je peux récupérer éventuellement. J'ai presque envie d'accepter un near perf chance, comme ça pour aller sur un stuff AJ. Mais si je commence à réfléchir comme ça, on va pas aller loin. Allez. Moins 40, malheureusement. Ouais, c'était sûr, mais. Ok. On va go double tac. Bon, du coup, il reste 39. Ouais, c'est un peu triste en vrai, mais bon. Ok, le crit. Donc là, en fait, le meilleur scénario, c'est je fais un moins 6. Ah. Alors, c'était pas ça le plan. Si j'avais eu un moins 6, on avait moyen d'aller choper le perf 505. Let's go! Alors malheureusement, du coup là, il me manque 1, j'ai que 3 tentailles et pas 4. Sauf si j'avais un peu de puits d'avance, ce qui n'est pas complètement impossible en soi. Donc on a 1, 2, 3. Oh! Bon. C'était un peu de la chimie, mais en soi, je suis allé le chercher. On pourra pas me... Hein?
pourrais pas me dire que je ne mérite pas le petit 42 4 achats pour aller chercher les 80. Bon, là on est sur un perf 505 Vita sans le PO, mais le PO pourrait être mis après si on veut. Donc là on est sur une énorme tenta. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Bon, je suis en train de remonter mon G, on a un PA là-dessus. Si on a un crit là-dessus, la pare retrait PM peut-être. Ok, on peut dégager une tenta correcte. Merci le chat qui me dit que c'est pas la bonne scène. Hop là. Du coup, 99 là-dessus. Il me manque limite 5 de Vita pour que ce soit stylé, mais... On va mettre tout de suite l'arrachat. Moins 10. Ok. Moins 5. Allez, c'est parti, il a pas ça. J'ai presque envie de mettre une pavie, en vrai, on verra si on en met une ou pas. J'ai moins 7, moins 24. Moins 10. J'ai 43, parfait, c'est une pavie. Nice, une. Là, on a moins 13. Genre là, la dernière, elle passe pas. Et il faut que je fasse un moins 10. Hey. Ça passe pas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 93 depuis. On va go. Pas ça. Moins 3. Est-ce que je mets une pavie? En vrai, non. Si j'ai pavie, ça me fera 20... Ça me fera 19 à enlever. Bon, non, tranquille. On va y aller comme ça. On va mettre le 2R maintenant. Moins 2. Bon, faut passer les over maintenant. Nice. Moins 20, c'est correct. J'ai compté moins 3 pour une passe, ça me dit le chat. C'est pas bien ça, Grifox. Je recompte, je recompte. Moins 9. Moins 2, moins 30, 52. Qui fait des erreurs depuis ici? Personne. Ok, 52. Ok. Il reste 4 tentats. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. C'est une belle tenta de sort. Est-ce qu'on peut crit un dommage sort là-dessus? Pas de crit de sort. Est-ce qu'on peut casser le PA avec une ravie et repartir direct en over? Non plus. On continue le FM tranquillement. 93 depuis, énorme tenta là. On est quasiment perf partout, il y a juste les trois lignes, enfin les deux lignes de stats à gérer en fait. Non, please. Oh, c'est dur. Elle était tellement belle. Bah, rip. Ah, c'est triste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 20. Eh ben, il me reste 3 depuis, ça régale. C'est triste. 90 depuis. On va go pas ça. Moins 9. Ok, on peut récupérer peut-être sur une pacha. Malheureusement, non. On va quand même go pacha. Deux fois. Moins 12. Pour pouvoir over ensuite. On va mettre la rage. Ok, elle passe. C'est cool. On peut peut-être récupérer sur le 2R. C'est parfait. La rachat. C'est pas très sympa quand même. Hein. Là, il me reste 9, hein, GG à tous. Évidemment, il y a le PA là-dessus. Là, le mieux que j'ai à faire, c'est
Espérer que le PA saute sur leur avis. C'est pas le cas, on continue. 97 depuis. Nice. On peut go repair là-dessus. Là, il faut une pacha. Moins 6. Une pa'age. Moins 6. Allez, la ra'age. Je sais pas trop ce que j'ai fait pour mériter ce genre de choses, mais bon. Bah j'ai 8, hein, je suis super content. Bah yes, hein. Bah bien sûr, hein. Ça régale. Allez, next. 88 depuis. On va s'occuper d'abord des stats. Il faut faire double over là, moins 10. En espérant qu'on se fasse pas trop troller parce que les overstats sont compliqués quand même. Ils coûtent cher en général sur l'item. Ça va là. Hop. Petite repair qui crit. Et ça passe. 51 depuis. Oh la petite rune vie là, ce serait incroyable. Dommage. 5 ravis là-dessus. Ok, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on peut avoir un petit crit dommage sort? Et non. Est-ce qu'on peut recasser le PA dans la foulée? Non plus. Tant pis. 96 depuis. Allez, la passa. Moins 9. On va récupérer au dommage. On va go double over. Moins 40. Ok, ça pique un peu. Hein. La ra'age. Ok, moins 10. Bon, on n'a pas beaucoup de marge, mais bon. Après, ça se joue à pas beaucoup de ravis qui passent. Hein. Bon, la 27, ça va être compliqué. Quoique. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98 depuis. Bon, les passas passent bien, ça fait plaisir. On va mettre. Bon, ok, moins 6 là-dessus. Merci à Saint-Sylvestre pour l'abonnement par Prime, merci à toi. Et non, la 505 Vita n'est pas passée. Sinon, on serait plus sur l'item. On va remettre une pa'age. Moins 3. Ah, je suis bête, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens. J'aurais dû faire d'abord la chance du coup. Petit misplay. Hop, moins 10. Moins 10. Prosp ou pavi? En vrai, alors d'accord. Je suis en mode si je tape en moins 11 après ça me met bien quoi. Allez, c'est maintenant. Moins 30. C'est triste. 25 là-dessus. Pas de PA. 99,2 depuis. Hop, moins 9. On récup. Les petits over, ok, ça devrait pas être trop violent. Moins 9. Allez, moins 10. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Nice. Moins 4. Bon, moins 20 là-dessus. La repère. Ouf, moins 18. Ouais, c'est quand même pas ouf, hein. 29.
Est-ce que je peux grid une de plus? En vrai, non, si, là, il y a un cas de figure, c'est 409 et je repasse à 404 en récupérant un de stats et ça me fait gagner une ravie. Genre là, moins 10. Là, il faut que ça passe en succès neutre. Dommage. Et du coup, j'ai 19. Peut-être que j'avais un peu de pluie en rab, mais en vrai, je pense pas. Là, normalement, j'ai du rouge. Sauf si je crit, évidemment. Ah oui, bah du coup, c'est plus aussi drôle. Le truc, c'est que je suis quasi sûr que j'avais aucun pluie résiduel. À cause de la ligne là, le moins 5 chance, moins reliquat. Ça sent le pluie remis à zéro, ça. Et bah, j'ai bien l'air bête, du coup. J'aurais voulu vraiment passer l'inné en succès neutre. Bon, bah, du coup, j'ai 9 en rab. On part là-dessus. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. Ok, moins 18. On va go prosp. Allez, la rachat, c'est maintenant. Moins 10. Ok. Est-ce qu'on passe la rage? Yes. Ok, on a potentiellement une belle tenta qui se profile. Le crit en plus sur les raises. On a 59. Moins 10. J'ai 49 là-dessus, ça peut faire une belle tenta en vrai. On a 39, alors il faut que je vire. Il faut que je vire 28 là. 28 c'est quoi? 28 c'est une pod. Et là en fait l'astuce c'est que là il me faut un moins 1 pour gagner une tenta. Le chat me dit que j'avais un de plus sans puits. C'est vrai ce mensonge? Comment ça j'avais 98? Ok, on a un mec du chat qui me dit que j'ai un de plus en rab, donc là j'ai 4 tentats à ravi en principe. Bah, si le chat le dit, le chat a raison. Donc on va croire le chat complètement. C'est parti. Après si la rune prosp elle passe, ça règle le problème. Hein. Ok, ah, le moins 16 fait bader. Du coup selon le chat j'ai 4 tentats à ravi. Vas-y, on va faire le youtubeur putaclic, on va fermer les yeux, on va faire confiance au chat. Normalement, il n'y a pas de rouge. Ok, bah GG le chat. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Bon, ça fait une belle tenta d'ossor. Est-ce qu'on a le d'ossor? On n'a pas le d'ossor. Est-ce qu'on peut casser le PA direct? Non plus. En vrai. Non. On continue. 90 depuis. L'attentat est potentiellement sympa en vrai. On peut rachat, moins 10. On peut récupérer sur le dos haut. Ah, parfait. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit dos feu par exemple? Petit dos feu. Ok, ça passe pas. Est-ce qu'on a l'arrache? Allez, une. 2, 3, 4. Ah, ça prend toujours masse puits. C'est dommage, là ça faisait une très grosse tenta sinon. Le talc qui passe pas. On a du coup tout pile 40. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a un crit de dommage sort? On n'a pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? On casse pas le PA, on continue. 93 depuis, bon, tenta pas dingue. À voir comment on peut récupérer tout ça. Hop, ok, ça passe pas si mal. Oh, par contre, la chance, pro, la catastrophe. Pas de fragilité ici, on n'accepte pas du moins 1. Ok, on va go comme ça. Let's go. Nice. On va même mettre une pacha en fait. Enfin une pa-hache, pardon. Bon, on s'en sort pas si mal pour l'instant.
On va monter à 71 pour avoir un over pas trop violent à faire. Là, du coup, j'ai moins 11. Moins 20. 43 restants. Prendre 4 là-dessus, 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, ouais, en vrai, on a les tentats de sort qui s'enchaînent, c'est quand même assez agréable. Je disais, je suis à peu près à un millier de tentats de runes dommage sort ou dommage distance ou dommage mêlée. J'en tente en boucle sur des jets comme ça, avec Overvita ou Exorez depuis que les runes sont sorties. Un jour j'aurai un crit, pour l'instant j'en ai eu zéro. Je dois vraiment être autour de 1000 tentats. Toujours pas. Je me suis dit, vas-y, je fais mon petit speech, en vrai peut-être que ça va passer là-dessus. Pas du tout. 98 depuis. Allez, tac tac. Moins 10, le petit crit rachat, c'est réglé. Hop. Moins 20. Moins 9 et moins 7. Ok, on est à 52 là-dessus. D'accord. Bah parfait, hein. 90 depuis. Alors on va passer la page. J'ai compris. Bah yes, hein. Ah, c'est dommage, elle était belle à côté. Oi, oi, oi. Plus de pluie. 91 depuis. On va commencer la pacha. Moins 3. La rage, ok, elle passe, c'est cool, c'était la plus dure à passer. Le reste est incroyable, hein, des lignes là. J'ai même pas de quoi récupérer. On va mettre un dos-feu. Ok, le succès neutre en plus, ça régale. Bon, il faudrait passer la rachat maintenant. Dommage. On a moins 25. Ça reste une très belle tenta, on a 53 depuis là-dessus. On va mettre une pavie maintenant. On a 5 ravis. Parfait. Il faut qu'on vire. Faut qu'on vire 35 là-dessus. Ah, je suis bête, j'aurais pas dû mettre la pavie. Je me suis posé la question, mais en fait, il fallait pas. Là, j'en ai combien? J'en ai eu 3 qui sont passés. Hein. J'ai moins 30. Ça va être une rune. Attendez, c'est 25, hein. Oui, merci, merci le chat. Oui, c'est ce qui me semblait, je me suis embrouillé. C'est pour ça que du coup la pavie était validée. Merci le chat d'être attentif, vous me régalez. C'est bien 25 qu'il faut virer. My bad, my bad. Du coup, petite de feu. Ça passe à moins 26 malheureusement. Donc là, il nous reste deux tentats ravis pour peut-être aller chercher le 504. Une et deux. Ok, bon. On a perdu un peu d'over, mais on joue le beau jeu ici, il n'y a pas de souci, pas de regret. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. C'est plutôt une belle tenta. À voir comment ça se passe, mais les congruences sont pas trop mal. On peut go direct rachat, moins 10. La petite page, moins 3. Allez, l'over, c'est maintenant. Dommage, ça prend 22 depuis. Le crit, nice. On va mettre tout de suite la petite passa. Ouf. Ouais, ça fait mal là. Je pense que ça vaut même plus la peine de compter. Ok, je suis mauvaise langue. On a eu moins 7, moins 27, moins 7. Il nous reste 23 là-dessus. Pavie, 1 et 2. Pas de PA. 99 depuis. Bon.
Il a une tête un peu bizarre l'item là, on va voir comment on gère ça. On va go pas ça déjà. Aïe, moins 27. Je vais récup à la pavie. Ok, bah super. C'était pas trop le projet là. J'ai eu moins 6 du coup. Ok. Bon, il faut passer l'arrahage. Ça peut faire mal, moins 20, c'est correct. Le petit dommage. La runinée. Allez, double rachat, c'est parti. Ok, le crit qui me met bien. Oh, le double crit. Alors ça fait vraiment plaisir. Et le de haut pour finir. Moins 5. Il me reste 41. Ben, c'est parti. Il me restait pas 41. J'ai menti. Bon là on a un puits qui est vraiment éclaté, on va le faire sans compter, on verra si on peut en tirer quelque chose, mais j'y crois qu'à moitié. On va go double pas ça. Tac. J'ai presque envie de forcer la pacha. En vrai pour la science j'ai envie de voir si ça passe. Je connais la réponse hein, mais c'est vraiment pour test. Pour être sûr que c'est une mauvaise idée. Ok. Bon y a un meslick qui est parti dans le vent, je plaide coupable. Ça crit. Ouais. Alors forcément, si toutes les runes passent en crit, ça va être plus facile. Ah non, mais c'est du trolling là. Je me fais bizuter par l'item en fait. On a combien? On a moins 15. Bah du coup, je compte en speed, hein, moins 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le petit misclic à la fin qui met vraiment très très bien. Moins 10. Moins 1, moins 11. Ah bon, il me reste 2, bah super. Parfait. 90 de puits. Bon, en vrai, on est assez bas là sur les lignes, mais y a un potentiel que ça fasse des trucs. On va go pas âge. Moins 3. Allez, il faut mettre les gros over là. Moins 20. Ok, moins 10. Ça bouffe pas trop de puits pour l'instant, c'est cool. Nice, tout qui passe du premier coup, tout un succès neutre. Bon, c'était quand même assez gourmand en puits, mais il y a peut-être moyen de dégager une tenta correcte derrière. Moins 7, on a 3 tentas derrière, ouais, c'est pas dingue. Hein. Oh bah yes. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Bon, ça fait une belle tenta dommage sort. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? On n'a pas le crit. Est-ce qu'on casse le PA dans la foulée? Non plus. Tant pis, on continue. 97 de puits. Franchement, c'est pas mal. Il faut juste passer la petite passa. Moins 18. Ok. L'arracha qui passe direct. On n'a pas d'autre over à faire. Le crit, nice. Et le succès. On a 64 là-dessus, c'est une belle tenta. On va mettre tout de suite la rune vie, la pavie. On a 6 ravis là-dessus. Une, deux, trois. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Une, deux, trois, quatre, cinq. J'en avais 6. En théorie, j'en ai encore une. Normalement, il devrait m'en rester une dans le slot, c'est bizarre. Bon, bref. Est-ce qu'on enlève l'over là-dessus? En vrai, oui. Hein. J'ai 17 à enlever là. En vrai, on peut tenter double moins 6 et un moins 5. Allez. Un moins 6. Nice! La petite ravie. Est-ce qu'on a la ravie de l'espoir? En principe, là, j'aurais même une tentative en plus après. Let's go. Ah, oh, ce jeu, il me fatigue. C'est buggé, on peut pas la passer. Faut que j'enlève d'abord l'initiative. On refait. Est-ce qu'on a la ravie? On n'a pas la ravie.
Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 depuis. Go pas ça. Nice. Moins 9. Le crit. Alors du coup ça m'embête presque parce que là je vais avoir du mal à récupérer. On va mettre un... J'hésite entre soit... soit une rune tac. En vrai je pense que je vais faire ça, je vais mettre une rune tacle. Ok, comme ça j'ai plus 2. C'est toujours ça de prix. On va mettre la racha. Elle passe, c'est cool. Ok, ça, il y a peut-être une belle tenta qui se profile là. Le reste est très haut sur l'item. Ok. Le crit, moins 10. Et encore un crit, on a 67. Là, on est sur de la grosse tenta là. Je vais garder les 7 en rab. On gagnera peut-être une ravie si on a du succès neutre sur un retrait d'over. Allez, c'est parti. Bah, nice. Hein. Ouah, tout ça pour ça. Oh bah, yes. 93 depuis. Bon. C'est parti. Moins 9. Mettre une petite rune pros parce qu'on récupère. Oui, nice. Petite repère qui passe, moins 3. Allez, faut passer l'over, c'est la plus dure. Moins 20, c'est correct. Le petit dos feu. Ok. L'arracha qui troll, pas trop, ça va. Moins 10. Et l'esquive PM à moins 7, on a 44 depuis là-dessus. Ok, bon. Tenta dommage sort. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? On n'a pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? On casse pas le PA, on continue. 93 depuis. On va commencer par la passa. Moins 18. La petite paage. Ok, moins 3. Moins 3. La rage qui passe, moins 10. La racha qui passe également, moins 10. Moins 6, on a 43. Et en vrai, 43, c'est tout pile. Ça nous amène tout pile à 505 si tout passe en succès. On a toujours une pavie et 4 avis. Oh! Il me reste 10 depuis là. J'ai 300 à pavie. Si je crée une pavie, dinguerie. Normalement, il me reste une vie. Ok. Bon, si ça passe là-dessus, ce sera ok pour moi. 90 vita. Je me fais toujours la réflexion. 90 d'over vitalité, ça pèse comme un exo 3% res. Voilà, c'est pour donner à peu près une échelle. C'est un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est pas forcément très pertinent, mais. Pour évaluer à peu près le poids de ce qu'on a mis en over exo, ça correspond à voilà, 32 vita, ça correspond à 1% res, donc 90 vita, c'est comme un 3%. Est-ce qu'on a un PA là-dessus? Ça me ferait vraiment plaisir. On n'a pas le PA. 89 depuis. L'attentat est potentiellement sympa. Hein. On a la petite rage à passer qui passe. On va récupérer à la prosp. Ok. Rez, moins 12. L'esquive PM qui passe à moins 7. On a 60 depuis. 6 ravis. C'est parti. Ouais, ils font pas d'efforts aussi. On a le PA. Est-ce qu'on peut avoir un crit dommage sort là-dessus? Pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue. 89 depuis. Ça va être compliqué là. Il y a beaucoup de choses à remonter. Ok, moins 3. Je vais go prosp. Et merci pour les 4 euros, Akelurus, merci à toi. Est-ce que tu vas me donner la force de passer ce gros over? On verra bien.
La chance me terrorise là. J'aurais peut-être dû la faire en premier pour récupérer, elle a pas ça. Ou est-ce que je fais le fragile et j'accepte un moins un chance pour une fois? Déjà, on va crit des rage pour temporiser. Moins 9, j'ai 68. Ok, le chat a dit non. Si le chat me dit non, on met du gros over. Hop. Hop. Moins 20. On a 38 là-dessus. Ouf. 18. Bon, pas nice. Hein. J'avais un peu de rab. Ouais, j'ai deux de plus, ouais, je me disais aussi. Bon, bah, unlucky. L'attentat bien éclaté là. Hein. Quand tu te casses le PA sur la part EPM, t'es pas très content quoi. Bon, on va y aller comme un sac. Tac. 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 Avec un peu de crit, on peut peut-être négocier quelque chose. En vrai. Imaginez, c'est là où on fait le perf 500. Mais. Bon, on va compter, d'accord. J'étais parti en mode YOLO, on compte pas le puits. J'ai 5 plus 6 plus 6 moins 15 plus 1 plus 79 moins 10 moins 10 moins 5 moins 6 moins 7. J'ai 44 là-dessus. Ok. Bon, il y a un monde où on passe 4 avions, on est à 502, c'est parfait. Alors, dans ma tête, ça avait de la gueule. Bah, yes, hein. Parfait. Cas de figure très stylé. Le PA qui saute juste après le dernier repassage. Et toutes les lignes qui posent des problèmes sur les congruences sont restées maxées. On va mettre une part EPM. Si on a un crit là-dessus, on peut avoir une énorme tenta. Ok, ça crit pas, mais ça reste intéressant quand même. On a 62 depuis. On va mettre une petite rune vie. Parfait. Et on a 6 ravis là-dessus. Ça peut faire un truc. Si on a un peu de crit. Alors. Dans ma tête, ça allait être un peu plus stylé. C'est de la merde. 92 de puits. Bon, j'ai un peu trollé là. J'aurais pas dû mettre cette AH techniquement. Pareil pour la chance en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes stats là. Normalement, je les monte en dernier pour éviter d'avoir à faire des overs trop conséquents. Là, j'ai complètement zappé. Bah écoutez, on va y aller comme ça. Hop. Ok. Bon, ça coûte cher, hein, mais. On a 27. Est-ce qu'on a une tenta de match sort sympa là-dessus? Même pas. 96 depuis, l'attentat est potentiellement assez consistante. Il y a juste les overs à gérer, ça va être compliqué. On a moins 9 ici, ça commence plutôt bien. On va mettre une rune tac. Je pense que la rune tac, c'est pas mal. Ok, ça récup en plus, c'est magnifique. On a plus 2 ici. Moins 6. Moins 20. Enfin, le G est presque trop haut en fait. C'est quoi ça? C'est du retrait PA. Ok, parfait. Moins 3. Moins 20. Bon, on perd beaucoup sur les overs, mais pas trop le choix. On a donc 40 là-dessus. C'est parti. Et ça commence bien. Bon, on en a deux en rab. Là, c'est le beau jeu. Hein. Le beau jeu, rien d'autre. J'ai 24 à enlever. C'est pod. Je peux pas double ni. Espérer avoir moins 5, moins 6. Moins 13. Il me faut moins 5, moins 6. Moins 5. Allez, le moins 6. Ah! Moins 1 peut-être. Bon. On aura tenté. On aura tenté. Du coup, j'aurais mieux fait juste de mettre une rune d'eau, mais on tente le beau jeu, là, on est là pour tenter. Allez, c'est vrai qu'on peut pas. C'est bien. Allez, une, deux. Dommage. Est-ce qu'on a le PA?
On n'a pas le PA. 94 depuis. On va commencer par Lara Hage. Moins 20. Alors j'ai mis un orbe avant, ce qui m'a remis le PO sur l'item du coup. C'était pas spécialement souhaité, mais bon. Moins 20 ici aussi. Hop. La petite passa. Ok, en vrai ça passe plutôt bien pour l'instant. Bon, il va pas rester beaucoup de rab, mais. Moins 10. Le crit, en vrai, on a 35. Si on peut avoir 3 ravis là-dessus. D'accord. Faisons comme ça. Bah yes, hein. Allez. Énorme tenta ici. On va go. Pas âge. Vraiment, la passa qui casse le PA, ça me régale. Il faut monter les deux comme ça. Ok, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. Si on se fait pas trop troller sur les overs, on peut avoir une tenta de fou furieux. Moins 30, ça pique. Aïe aïe aïe. Nice, moins 9. Bon, ça bouffe beaucoup, hein. Ok. Reste 33,2. On va mettre une pavie. Moins 2. 31. Je voulais pavie parce que je pouvais pavie pod et je retomberais à 355. Là, du coup, ça n'a plus trop d'intérêt. 1, 2 et 3. Ah, eh oui. 93,6 depuis. J'ai envie de double rachat. Moins 40, bah yes, hein. Pour récup comme ça, genre. Moins 9. Tac, tac. Moins 19. Double dos. Moins 5. Deux ravis. Une, deux. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Très très belle tenta, 93 depuis. Là, ça se présente vraiment bien pour le coup. On va go. Rahage. Allez, please, pas du moins 40. Ok, moins 20. Double pacha. Moins 6. L'arracha. Allez. Ah, moins 40. C'est dur. J'ai des tentats magnifiques, mais à chaque fois, les stats, elles me défoncent. Mais j'ai pas le choix. Hein. Il n'y a pas d'autre façon de faire. 27. Bon, je décide que j'ai un de plus en rab. Ok, j'avais pas un de plus en rab. Pas de PA. 90 depuis. Ok, c'est rachat, moins 10. C'est potentiellement stylé là. Si ça se passe pas trop mal. Enfin, on peut dire ça à toutes les tentatives, j'ai envie de dire, mais passons, passons. Ok, moins 2. En vrai. Ok, nice le crit. En vrai. Tac. Tac. Moins 8. Elle est big, elle est big, elle est big. On a 6 ravis là-dessus. Est-ce que c'est maintenant? Du vert, please. Oh là là, ça commence bien. On a moins 30. Oh, c'est big, c'est big. Oh, le moins 6, ça régale pas. On a encore 3 ravis, les amis. 3, c'est beaucoup 3. Je me fais avoir à chaque fois. Et voilà, le moins reliquat qui me met au fond. Bah, je perds une tenta, GG à tous. Bah, j'en ai plus que 2. Ouah, ça tilt ce truc. Pour moi, c'est un bug, hein. C'est un bug parce que le G, tu peux faire un 503 Vita, un Dintel en passant l'intel après l'over Vita, mais dans le sens là, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Bah, je viens de me faire arnaquer une ravie en direct. C'est catastrophique. Du coup, il me reste 8. La troisième, elle est passée, c'était écrit en fait. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Bon, j'ai une tentative éclatée, j'étais en mode je la filme pas, mais. Bon, quand tu tapes du 5 crachat à la suite en crit, tu te dis peut-être. Alors bien sûr, maintenant que je filme, ça va plus marcher, on connaît. On va gauler 2. Ok, moins 5. Ben voilà, dès que je filme, ça ne marche plus. Théorie confirmée. Non, normalement, j'ai plus de puits, hein. Voilà. Nice. 99 de puits. Allez, les overs, moins 10, ok, ça commence très très bien.
Nice. Faut mettre un petit petit 2R. Ok, parfait. Nice, moins 2. L'arrache. Oh! Ok, l'attentat est énorme en vrai. L'attentat est très très fat. On récupère pas. Petit crit? Non. Ouais, moins 27. On a 60. En vrai, on a eu un crit, deux crits. Dommage. Il m'en reste une. Hein. Est-ce qu'on a le 502? Non. Pas de PA. Ok, le PA qui ressaute juste après ce qui s'est passé avant. Avec du crit, ça peut faire des trucs. On a encore les bonnes congruences. On va juste mettre 2 d'OR, moins 5, parfait. J'ai envie de mettre une petite rune vie. Moins 2. Et on a 7 ravis. On peut sortir un 505. Hein. Ah, là c'est du crit, là ça me plaît. Hey! Deux tentats en rab, si on le sort comme ça, c'est une dinguerie. Bon. En vrai. Est-ce qu'on peut avoir le PA? Oh, j'y ai tellement cru. Oh, c'est dur. C'était si beau. Je suis tellement allé le chercher de loin, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bah, désolé, hein. 98 depuis. On va commencer par une passa. Moins 9. Ok, on va mettre la petite pavie. Nice. L'arracha. Moins 20. Ça peut. Oh, ok. Je vais pas mettre de pavie parce que là on est bien pour aller chercher le 502. On va du coup mettre. Petite. Allez, repère R, c'est bien. On récupère en plus. La rage. Ok, ça passe pas moins 4. Oh, le crit qui fait plaisir. J'ai combien? J'ai 65 là. Ok, on peut remettre une repère par exemple. Dommage, on aurait pu gagner une tenta. En soi, je peux tenter un crit de fixe. Petit crit de feu. Si ça crit, on gagne une tenta. Si ravi. Est-ce qu'on a un 502 là-dessus? On a eu un crit. Pas de 502. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98,2 depuis. L'attentat est sympa. Pas ça. Moins 9. Le repère. Lara, ça peut faire une très très grosse tenta si ça se passe bien. Ok. Oh là là, elle est énorme. 69. Et du coup. Est-ce que je pavie ou pas? J'ai soit 7 ravis, soit une pavie et. C'est tentant la pavie, hein. Alors vas-y, on va go ravi, je pense. Ah, j'hésite. Est-ce que je tente le 360 à la pavie? Tu sais, c'est que là, avec les Raynaud, ça me fait tout pile 71. Ah non, c'est ça. En vrai, j'ai une tentavie. Et 7 ravis. Advienne que pourra. Ok. Un peu déçu. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 depuis. Bon,
Il va falloir crit les grosses runes, mais ça peut le faire. On va commencer par la passa, moins 9. J'ai envie d'y aller à la pacha en vrai. On va faire comme ça. Avec un peu de crit, moins 20. Le dommage qui crit et l'autre qui crit aussi. Alors, c'était pas spécialement le plan, mais ça me va très bien. Du coup, on va mettre un petit dos au feu. Ok. Ça se passe plutôt bien. Bon, il y avait beaucoup à remonter sur les stats, mais ça se passe bien. Le crit à nouveau, moins 4. Ok, bon, ça a tabassé pas mal depuis, mais c'était quand même plutôt honnête. J'ai 38 là-dessus. Je pense pas avoir eu de pluie en rab. Quoique, je peux y remonter un peu. Là, j'ai moins 5. Là, j'ai plus 5. Là, j'ai moins 5. Ouais, non, c'est chaud. On va essayer de crit une réfixe. Ok, c'est la sauce, moins 2. Est-ce qu'on tente une. Ouais, on peut double pavie en vrai. Et 1, 2, 3. C'est timide, hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96 de puits là-dessus. Bon, on est juste après le puits précédent. Avec du crit, on peut faire un truc peut-être. Je vais mettre rachat d'abord. Moins 10. Et là, il faudrait que je passe la sagesse à 24. Ah, on va voir si ça se fait. Mais bien sûr que ça se fait. Hop, ça m'évite d'avoir à faire un over, ça régale. Hop, le petit crit peut-être, let's go. Moins 8, et écoutez, c'est plutôt pas mal là. 78. En vrai, rune vie. Est-ce que je mets d'autres rune vie ou est-ce qu'on part là-dessus? Moi, je pense qu'il y a un monde où. On remet une rune vie. Et genre on en remet. Est-ce qu'on en met encore une? Non, on va s'arrêter là. Du coup j'ai moins 1. J'ai envie d'aller chercher le 155. On va mettre 3 pavis sur ce mec, il y en a une qui crit. Alors. 3 qui crit, c'est bien aussi. Alors, voilà, là c'est pas mal. Là on est à 77. Du coup là j'ai 7 ravis. Est-ce que je continuerai pas à bourriner des pavis en vrai? Est-ce qu'on mettrait pas genre. Vas-y, on va remettre une vie. Ah, c'était un peu haut pour des vies, j'ai trollé. On a moins 4. J'ai envie d'aller chercher le 205 comme ça. Si on a un peu de crit, peut-être. On a moins 9. Bon. 64 là-dessus, vas-y, on va go mettre les ravis. Si les 6 elles passent, on est à 505. Hein. En vrai, il en reste une. Yes. Et là, il me reste une vie, une pavie, normalement. Ouais. Ok. NP, NP. On s'amuse, on s'amuse. 97 depuis. Alors, en termes d'over. Ok, on va mettre l'appâhage. Si elle veut bien passer, moins 12. On va monter l'arracha à 86, moins 20. Comme ça, on récupère à la répaire. Ok. La J. Petit over de 1, c'est pas mal. C'est pour ça que je laisse toujours les stats en dessous de 70, hein, c'est pour pouvoir gérer la violence des overs que je veux passer. Le petit 2 haut qui crit évidemment. Deuxième, moins 4. La passa, moins 9. Moins 10. Et moins 7. 25, ça fait pas des très grosses tentes en vrai. J'aurais limite pu tenter un dos pour gagner une ravie, en vrai, ça aurait peut-être été mieux. Bon. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Ce qui nous ferait une tentative de dommage sort? Oui. Est-ce qu'on a le crit de dommage sort? Toujours pas. Et la ravie ne casse pas le PA, on continue. 90 de puits. En vrai, on n'est pas trop mal. Moins 9. Il n'y a pas grand-chose à récupérer. Alors, je vais pas pouvoir faire grand-chose de la sagesse, malheureusement. Je suis déjà trop haut sur le reste. On va mettre une rune tac. Nice, plus 2. Esquive PM. Qui crit, ça régale.
L'arracha, bon, elle est toujours plus, hein. Moins 6 du coup. Ok, l'attentat est énorme. Moins 10, ça passe nickel. Ok, on a 67 de puits là-dessus, c'est vraiment big. La grande question, c'est... Est-ce que je tente de crit une rune prosp pour gagner potentiellement une ravie, ou est-ce que je pars du principe que je vais enlever un over et que enlever l'over en succès neutre peut me faire gagner 3 de puits? On est à 78. J'ai 22 à enlever. C'est jouable. On va déjà mettre du coup 6 ravis. Ben, c'est pas très fun. Hein. Bon, ben, du coup, vie et double pavie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98,6 de puits. On va commencer double pas ça. Moins 9, le petit crit qui régale, c'est parfait. On va mettre un petit dommage. Ok, ça part très très bien. On a des bonnes congruences. Le petit crit à nouveau. Allez, c'est parfait ça, moins 20. Tac tac, moins 10. 59 de puits là-dessus. Y a moyen, je vais mettre 3 pavis, je pense. Il en faudrait une, dommage. Si j'en avais eu une là, c'était vraiment bien. Ça pouvait me faire un 502 quand même. 5 ravis, let's go. Qu'est-ce qu'il me raconte le chat? J'ai raté le plus 1. Ah, j'ai pas compté le plus 1 du dommage. Oh, bah, my bad. Bah maintenant c'est trop tard. Hein. Ok, désolé le chat. J'avais plus 1 que j'ai pas compté apparemment. Vas-y, on va mettre une vie du coup. Ah, c'est sad. Bon, ça reste quand même correct. J'ai eu un crit ravi en plus. Donc là, j'ai du coup 0,6. Plus 10, j'ai... Enfin, non, bref, j'ai 10. Du coup, j'ai 3 tentatives à vie. Si je peux en crit une, c'est de la dinguerie. Non, j'ai une tentative à vie. Ok, et une encore. Ok, ça passe pas. En vrai... le petit PA là-dessus, ça régale. Ça sera ok pour moi, ça m'ira. Est-ce qu'on a le PA? De toute façon, je suis en mode, il me faut 90 mini. À 487, ça passait pas. À 492, ça passe. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Ah, pas de PA. 96,8 depuis. On va go double raage. Hop, comme ça on récupère et on monte la chance à 70. Nice. Et l'arracha qui passe. Petite passe à moins 9. Le reste est perf. On a 51 là-dessus. On va rester comme ça pour l'instant. 5 ravis. Ok, le crit. Nice. Moins 40. On a 11,8. Faut virer. En vrai, on va y aller à la pod. Hein. Plus 0,1, c'est pas de chance. 11,9. Est-ce qu'on a une ravie? Dommage. Titre une vie, ça passe pas. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98 depuis. Double pas ça. Moins 27, ça picote. Le petit dos, on n'oublie pas le plus 1 cette fois-ci. 72. Je vais monter à 70 sur toutes les lignes, je pense. Je pourrais aller chercher le 81, ça vaut ce que ça vaut, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 30. Je pense que c'est fine. 42 là-dessus. Eh, en vrai, petit moins 20, là. On a 22. On aura deux tentes, hein. Il me faut le moins 6. Allez, le chat. Ah! Non, mais ça se crit les stats. Regarde. Tac. Et c'est pourri que j'ai oublié un détail sur l'item. Non, mais ça va, ça arrive à tout le monde. Regarde. Hop. Voilà, c'est réglé. Du coup, 22. Il n'y a aucun problème dans la vie. C'est que des. Hein. Tac, on a 22 là-dessus. Bah, c'est deux. On monte à 499. Ça me va aussi. Tout va bien, il n'y a pas de problème. La session se passe nickel, il y a... C'est nickel. Comme dans ma tête, comme dans mes plans. 90 depuis. La passe à moins 9.
On récupère au repair. Lara Age, moins 10. Ok, ça se présente plutôt bien pour l'instant. Ok, le crit. Un petit dos feu. Ok. L'arracha. Moins 20, c'est correct. Petite rune tacle. Qui ne passe pas. L'esquive PM. Moins 21, ça. Ouh, ça fait mal ça. 30 restants. Ok. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 86 depuis. Ça pique ça, moins 36. On voit pas vie en vrai. Alors d'accord. Moins 3, c'est sérieux. Bon, vas-y, on va go prosp. Ok, on récupère, c'est cool. Petit crit, petit crit. Moins 2. En vrai, moins 6. 39 là-dessus. On va triple ravi. Parce que si on monte assez haut. Non, ok, ça marche pas. Il me reste 3 tentatives à vie. Bah, du coup, j'aurais peut-être mieux voulu les mettre avant, mais bon. C'est pas grave. Le PA. Pas de PA. 97,6 depuis. On va go. Overchance, moins 20. Ok, esquive PM. Moins 3. Lara Age qui passe. Ok, c'est pas mal. Pavi ou Pod? Ou Prosp, pardon. Prosp, ce sera bien. Le crit. Oh, double crit. On a 64 là-dessus, c'est pas dégueu du tout. Si on a de l'over à virer, on aura 19 à enlever. Bah go, hein. Ok, il nous reste 4 du coup. Rune vie, rune pavie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 96 depuis. Ok, moins 9. Mago Pacha. Ok, c'est bien. Petite rune prosp, si on peut récupérer. Dommage. L'arracha qui passe, moins 10. Ça peut faire une belle tenta. On n'est pas trop mal, la vita est assez haute de base. Moins 5. Ok, ça se passe extrêmement bien pour l'instant. Moins 20. Reste 52, 53 avec le 1 d'intel. On va commencer par une pavie. On a 5 ravis. C'est cool Dofus, hein, on s'amuse bien et tout. Yes. 82 depuis. Bon, pas de miracle là a priori, mais. C'est parti. Moins 20. Hop. Ok, le crit. On a moins 3. Hop. Un petit passa. Moins 9. Moins 12 pour les repères. Moins 7 pour l'esquive PM, on a 31. Là, c'est une rune vie, ça me régale toujours. 3 ravis, allez, 1, 2 et 3. Oh bah c'est bien. Hein. 97 depuis. La passa, moins 9. On va mettre une petite page. J'hésite à double rage. En vrai, on va faire ça. Ouais. J'ai senti le crit venir, comme ça attaque la petite Doer. Bon, bah, bah oui, du coup, bon, qu'est-ce qu'on fait? Un petit repair. Et on récupère, mais c'est incroyable cette tentative. Hein. Mais ça passe en plus, mais en vrai, dinguerie là. Hein. Là, c'est moins 4. On a 74 là-dessus, mais en vrai, je crois que là, c'est la plus grosse tentative qu'on ait jamais eue là. 7 ravis là-dessus. On a moins 30, il en reste 44. 1, 2, 3 et 4. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA.
J'ai presque envie de m'arrêter là temporairement avant de reprendre une autre session de tryhard sur l'item. Est-ce qu'on tente le 2 sorts là-dessus ou pas? Ou est-ce qu'on le garde comme ça? Qu'en pense le chat? En vrai, je sais pas, je lui dis tant à 505, ça fait mal de s'arrêter là-dessus, c'est faible comme over quoi, mais. J'hésite. Le chat me dit garde, peut-être la voix de la sagesse. En vrai, je sais pas trop. Bon, je vais faire un sondage dans le chat. Et le chat va décider. Le peuple a parlé, le peuple a tranché, c'est Dosso. Ça passe pas. Est-ce qu'on casse le paya à la ravie? Non plus. Oh, toujours pas. On continue. Bon là je me fais un peu troller, ça fait un moment que j'essaie de faire sauter le PA, et ça saute sur une pas paré PM, bon super. Bah go hein, double pas H, triple rune à plus 3 d'ailleurs, 15, 18, moins 21, hop. Bon en termes de croche, je suis un attardé, j'ai pas mis la passa, fallait que je commence par passa, moins 18, bon de toute façon le puits ressemble à rien, hein, c'est réglé. Hop, évidemment la pavie qui tape dans le puits, non mais il y a absolument rien qui va. On aurait peut-être pu avoir un peu de crit, mais même pas. Moins 7. Bah il reste 7. Nice, hein. 94 depuis. Ok, moins 9. Il y a un potentiel sur l'attentat, là. Ok, ça commence très bien. Faudrait passer une petite page. Moins 9. Je vais rachat. Moins 20, le crit qui me met bien. Ok. Ok. Moins 3. Moins 10. Bon, on devrait pouvoir avoir quelques petites tentatives plutôt sympas. Moins 14, bon, ça pique un peu. 29 restants. Aïe, je pense pas avoir de rab avant. Hein. Non. 29, est-ce qu'on peut gratter peut-être une tenta? Allez, le crit. Non, là j'ai moins 5. Je peux encore tenter un crit à la païnée. Encore. Non, j'ai moins 6. La ravie, moins 3. Il me reste 15 là-dessus. On a donc une ravie. Deux vies. Là, faut pas que je me sois trompé dans les petites runes. Hein. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 depuis. Allez, là, pas ça. Moins 19. 18, pardon. La repère. Ok. Petit rat. Ah! Moins 30. On récupère pas, dommage. La rachat qui passe direct. On va mettre une petite pavie qui passe pas. Le 2R crit. Et on a moins 12. 29. On va mettre 3 pavis. 2 ravis. On a le PA. Ça fait une tenta dommage sort. Bon, elle est modeste, mais si ça passe là-dessus, ça fait plaisir. Ça passe pas. Et on casse pas le PA. 94 depuis. Voilà, wow, la saleté des stats. Bon, j'ai un peu trollé sur la gestion de l'item pour en être là. Objectivement, c'est ma faute. Ok. On a moins 40. Ok, ça passe pas, dommage. Le crit. Ok, les crits qui nous récupèrent un peu. Bon, parfait. On est à 54 là-dessus, bah du coup on n'est pas trop mal. Oh, la pavie aurait été tellement bien. Alors, ok. Aucun sens hein, ce qui se passe là. Ouais, aucun sens, hein, je confirme. Bah, c'est ridicule. 99 depuis. J'allais dire on est pas mal, mais bon déjà moins 27 pour la sagesse, ça calme.
Ok, ça met bien. Nice. On va mettre une prosp, ça me paraît être le mieux. Ok. Allez, la rage. Ok, elle passe. Moins 5, le petit Dofeu peut-être. Qui ne passe pas. La racha ne passe pas non plus. Ouf, moins 30. C'est dommage hein, qu'on perde beaucoup comme ça sur les stats, l'attentat était fat. Moins 5, on a 27 là-dessus. Bah ouais. Hein. 91 depuis. Moins 18. Est-ce que je mets de la pavie là-dessus? En vrai, non. Quoique. Non, pas de pavie. Je pars toujours de l'optimisme que je vais arriver sur un 503 de vita à partir de ça. En plus, on récupère, c'est cool. On a moins 4. Bah, moins 40, yes, hein. Ça régale. Moins 10. Les stats à chaque fois me mettent au fond, mais bon, y a pas de miracle, hein. Y a pas d'autre façon de gérer le truc. Hein. 14. Bah, nice. Ça fait plusieurs fois que j'arrive même pas au GPRF, là, c'est un peu frustrant, mais. 92,6 euros. Non, depuis. Je me suis fait bait par le chat. Moins 9. Ok, on a 31. On va aller chercher peut-être la petite page qui passe, c'est pas mal. On va aller chercher les 70 de chance, moins 9. Le chat qui se moque de moi. Allez, les ravis. Enfin, les rats tout court, moins 10. Ok, le puits se passe plutôt bien. Et ça crie, 64. Le chat me perturbe à fond. On va faire genre tout va bien. La petite pavie. Les pavies passent jamais, c'est un peu relou. Allez, on a 6 ravis. Peut-être un gros G en Vita. Ok. En vrai, elle est belle. Hein. Est-ce qu'on a le PA? Ah, franchement, si ça passe sur la séquence où je me suis fail sur le commentaire, je suis abattu. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Ce serait OK pour moi. On n'a pas le PA. Le PA qui tombe assez rapidement après, il faut juste passer la passa et on a des congruences intéressantes là. J'ai presque envie de mettre une pavie. Ok. On peut avoir une grosse tenta. Moins 10, ça se présente très très bien. On est à 66. Allez, on va mettre les 3 ravis. Ok, on est très très bien là. Peut-être on va aller chercher les 505 là-dessus. On a 26 restants. Allez, il me faut un moins 10. Le chat me dit que j'ai un drab. Ça change pas grand-chose de toute façon. J'avais compté 91 ici. Là, j'ai moins 1. Et plus 2, vous avez raison, j'ai plus 1. Merci le chat. 27. En tout cas, c'est les ravis là. Allez, il faut un 505. Non, deuxième tenta. Pas de 505. Du coup, c'est vie double pavie. Hein. Si le chat me troll pas, c'est bien ça. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 depuis. Il y a du potentiel sur l'attentat. Moins 18. Si on peut avoir peut-être la petite page. Ok, ça régale. Allez, follower rachat. Moins 30. On n'est pas trop mal là. Hein. Oh! Ok, là c'est une belle tenta. On a 42. J'ai presque envie de mettre une pavie. On a moins 1. 41. 1, 2, 3 et 4. Pas de PA. Et merci Eddy pour le raid. 93,2 depuis. Bon, ça saute sur une racha, c'est un peu dommage. Mais les congruences sont plutôt bonnes là. Il nous faut une petite pacha, moins 3. Allez, les rats, un peu de crit peut-être. Bon, moins 20, c'est fine. Ok, 65. La pavie, enfin, la pavie qui passe au moment où j'en ai besoin. 62, là il y a moyen de faire une gigatenta, ça part très très bien les amis. 413, on a 52 là-dessus. Allez, 1, 2, ouf. Ok, on est à 32. On peut faire un truc stylé là.
Le moins 11, c'est pas ouf. On fera avec. Est-ce qu'on a un 502? Pas de 502. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 98,3 depuis. J'ai compté un peu vite, j'espère que je me suis pas planté. On va dire que c'est ça. Si je me suis trompé, le chat compte sur vous. Bon, le puits est pas trop mal. On a 32 sagesse. En vrai, on est bien là. On a la petite Pacha, peut-être. Moins 3. Lara Age. Qui crit. Ça peut faire un truc sympathique. Moins 5. Allez, la Racha qui passe, moins 10. Les petits crits, moins 5 à nouveau. Et moins 13. On a 52 là-dessus. Allez. Ouh! Allez, big, on a moins 30. J'ai 22 là-dessus. What? Le chat me dit que c'est bon. En vrai, 22. J'espère que je vois pas du rouge à la fin. Hein. Je fais confiance au chat qui a reconté. Oh, le chat, vous aviez un job. On me donne des fake news aussi. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 depuis. Ok, le crit qui régale. Nice. Ok, ça se passe très bien pour l'instant. Faut juste passer la rage, moins 20. Si on récup. Oh, c'est une belle tenta. Nice. Toutes les grosses runes sont passées directes. Et on récupère à chaque fois les over et ça crit dans tous les sens. Moins 9, ça peut faire une très belle tentante. On a 52 là-dessus. On va mettre les deux petites runes vie maintenant. Et allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98,6 depuis. Ok, là, pas ça. Moins 9. L'attentat est belle, hein? On remet une petite rune prosp. On récupère, ça régale. Lara Age. Moins 7. Oh, ça passe direct. Ça, c'est très très cool. Ok. Dommage. Moins 7, moins 17. Et on a 55 de puits là-dessus. 1, 2, 3, 4. Ouais, on l'attente, on l'attente. J'ai failli me demander est-ce qu'on l'attend ou pas, mais bien sûr qu'on l'attend en fait. Hop, allez, un peu de chimie, un petit moins 2 peut-être. Ah. Ah bah super. Bon, dommage. On a 15,6 là-dessus. Allez, la ravie, c'est la ravie de l'espoir, c'est maintenant. Ah oui, c'est vrai que le jeu est éclaté, j'avais oublié ce détail. Ça me bouffe du puits, c'est super, moins 1. Oh, j'ai jamais douté. Du coup, on a. Bah, on peut plus rien tenter là. 501 en vrai. Bon, c'est un peu fait bolos sur la gestion du puits, mais tranquille. En vrai, j'aurais pu faire mieux. J'aurais peut-être pu tenter un mini over avec le puits que j'avais en rab et y aller à la pod si ça passait. Bon, c'était très hypothétique, hein. Ça aurait eu très peu de chance, mais ça aurait été peut-être optimal sur le papier. Bon, est-ce qu'on a le 501 Vita? On l'a pas. 93 depuis. Allez, là, pas ça. Moins 9. Il n'y a pas grand chose à récup à côté, l'item est assez fat. On va aller chercher. Oh, ça fait plaisir ça. La question c'est pour la chance. Vas-y, on va y aller aussi à la pas jusqu'à 71 éventuellement. Moins 9. Ça rend quand même plus facile à l'over derrière. C'est QFD. Hop. Le petit crit à moins 9. 66. Très très belle tenta. On a deux tentas pavis. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 92 depuis. Ok, je sais comment on va faire. On va faire double rachat. Moins 20. Et on récupère peut-être à l'appât-âge. Non, dommage. Moins 12. Moins 10. Bon, c'est assez coûteux.
Ouf. 23 restants, c'est un peu triste. On a le PA, ça fait une belle tentative de dommage sort. Pas de dommage sort. Et on casse pas le PA dans la foulée. Dommage, on continue. 96,6 depuis. Moins 18. La repair peut-être, yes. Bon, on va y aller comme ça pour les overs à plus 2. Si ça passe assez bien. Pouh, moins 40. Aïe aïe aïe. Hop. Ok, moins 10. Bon, on n'aura pas beaucoup de rabats malheureusement. 25. Bon, avec un peu de réussite, on peut toujours faire des trucs. Hein. Pas de PA. 97 depuis. Moins 9. Ok. Ça se présente bien. La logée est très très fat. Si les overs passent bien, moins 20. Ok, moins 10. Allez, allez. Peut-être maintenant. 58 restants. Ouais, bon. Dommage. Bon, on s'est pas fait régaler, hein. Pourtant, la tenta était belle. C'est tout le temps sur les tentats éclatés que le PA repasse. Pas de crit, dommage sort. Et on casse pas le PA derrière, dommage. On continue. 98 depuis. Moins 9. Ok, nice. Bon, là, l'arrachat. Allez, please. Moins 40. C'est pas très fun, ça. Moins 9. Ok, bah 4 avis, en vrai. On va essayer de pas oublier d'enlever le l'over. 1, 2, 3 et 4. Pas de PA. 96 depuis. Moins 27. Aïe. La pacha ne passe pas. On va double rat. Bon, ça part pas très bien. Hein. Il va nous falloir de la réussite. Moins 30, bah nice. On est à moins 1 depuis, tout va bien. Bah yes. Hein. 96 depuis. Allez, là, pas ça. Moins 18. Bon, on va pas. Ouais. Pas pouvoir récupérer la vita. Enfin, la pavie. Enfin, l'over. On a compris, on a compris. Ok. Lara H, peut-être. Bon, let's go, hein. Let's go, moins 50, ça régale. En vrai, elle est comme ça. Dix-huit, allez, ça sent bien qu'on ait un succès neutre. Nice, une et deux. Pas de PA. 85 depuis là-dessus. Bon, on va voir ce qu'on peut en tirer. Pas âge. Moins 6. Allez, il faut du. Ok. Il faut de la réussite sur les grosses runes, et peut-être. Ok, moins 10. Moins 14. Et le crit. On a 55. Une, deux, trois, quatre. Moins 40. On a 15 restantes. Allez, on va faire le petit joueur, j'en ai marre. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de PA. 95 depuis. Toujours un kiff de sauter le PA avec une passa qui nous amène au G-Max en sagesse. Il y a un potentiel sur cette tenta. Il nous faut Lara H. Oh yes. Peut-être que c'est maintenant qu'on se fait pas trop arnaquer par le jeu. Et qu'on a le droit au bonheur. Moins 10, elle est très très belle. À voir ce que ça donne par la suite. Mais là, c'est de la grosse tantale. Toujours plus de crit. Moins 10, on a 75 depuis là-dessus. On va mettre une petite pavie. Dommage. Deux runes vie. Et 7 ravis. Je veux voir un 496. Let's go. J'ai jamais douté. Les amis, est-ce qu'on peut avoir le PA là-dessus? C'est quand même plutôt très propre. On a le PA.
Ben c'est fini, déjà? Ben je commençais seulement à m'échauffer sur l'item là. C'est bizarre ça. Bon, ça fait que 10 jours que je suis dessus, en vrai, bon, ok. Bon, toujours un petit peu frustré de ne pas avoir le 505 Vita quand on l'a vu proc plusieurs fois. Mais bon, bah écoutez, c'est la vie. Donc le PO, on va le laisser en off pour l'instant. Encore une fois, idéalement, c'est comme c'est pour aller sur un Sacrieur. Il me faudrait la PO parce que je joue parfois avec le sort Rituel de Jashin, qui est le seul sort à PO modifiable du Sacrieur. Et j'ai pas encore décidé si le sort était incroyable ou si s'il était nul, donc bon, je continuerai mes tests. Donc à terme, ça prendra peut-être le PO. Mais en tout cas, pour l'instant, pour jouer avec et continuer à mettre en place mes modes, à faire mes expérimentations, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Putain, c'est pas vrai, j'ai mis ce clic. J'étais sûr que... Mais c'est pas possible. Ça, je suis à 400 try sur des items en over plus exo, mais c'est... Je me suis dit, à tous les coups, je fais un over et je mets une PO pour enlever mon over et mettre la ligne à zéro. C'est obligé, je passe un PO et je misclic un exo. Non mais c'est catastrophique. Enfin franchement, il n'y a aucune bonne volonté du jeu. Ça fait des années que je tente des exo PO sur des items over Vita ou exo res et j'en ai jamais passé un de ma vie et à chaque fois je passe des trucs random comme ça. Mais non mais c'est... On est où là? Pouf.